là-dessus, c'est que les personnes sont différentes. Oui. Là, il va s'agir d'abord de la subjectivité de chacun. Oui. Même à l'intérieur d'un même sexe. C'est-à-dire que la question, si vous m'avez posé la question, est-ce que toutes les femmes vivent leurs difficultés à procréer de la même manière? Je vous répondrai que non. Voilà. Donc, la difficulté à procréer, justement, elle va être différente des individus, des personnes. Et donc, a fortiori, d'une question de sexe, voilà, donc il n'y a pas. Il n'y a pas à faire, je veux dire, il n'y a pas à se dire que les uns et les autres la vivent de la même manière. L'attribution du rôle en société n'étant pas le même, parce que on sait, ce qu'on a pu constater, c'est que sur le terrain, quand un couple, quand il n'y a pas d'enfant dans un couple, on va d'abord indexer la femme. Tout à fait. Aujourd'hui, le travail qui est fait sur le plan biologique, notamment avec les gynécologues, les urologues, c'est justement d'inscrire l'infertilité dans le cadre d'une démarche de couple. C'est la raison pour laquelle de plus en plus les hommes sont sollicités et bénéficient justement, on leur demande de faire des spermogrammes parce que justement, il s'agit d'une difficulté du couple. Les manières de gérer également sont différentes en fonction de la manière avec laquelle chacun va vivre la situation, en fonction de comment est-ce qu'ils se sentent contenus dans leur famille, comment est-ce qu'ils se sentent accompagnés, est-ce qu'ils se sentent stigmatisés. Donc tous ces paramètres-là, est-ce que pour eux, un enfant, est-ce qu'il va les définir comme personne, comme appartenant à un groupe, comme étant un être humain. Si je n'ai pas un enfant biologique, est-ce que ça sera différent pour moi si j'en adopte un ou si je m'occupe d'un enfant de la famille? Enfant d'un cousin, d'une cousine, Est-ce que je le vivrais différemment? Est-ce que ça me permettrait, moi, de compenser mon besoin d'être vu comme mère, d'être appelée maman, d'être appelée papa? Là encore, je pense que il est question vraiment de voir par rapport aux individus et ce qui est important pour chacun d'eux. Parce que je pense que sur le plan social, même en l'absence de difficultés à procréer, les familles recueillent déjà les enfants de tiers. Les enfants de cousins, les enfants de cousines. Et quand ils arrivent dans cette famille, ils vont appeler tontons, les papas, les mamans. Au niveau de la cellule familiale, il y a vraiment tous ces éléments-là qui fonctionnent déjà, qui sont mis en place en l'absence même de difficultés à procréer. Maintenant, est-ce que quand j'adopte un enfant parce que je sais que j'ai des difficultés à en avoir un, est-ce que ça va me donner le sentiment, est-ce que ça va être comme si je vais faire un peu le deuil de l'enfant que je n'ai pas pu avoir. En 2015 et 2016, je pense que j'ai fait un travail dans lequel on a pu se rendre compte que un couple sur quatre est traumatisé par la découverte de son infertilité. Et si, de manière générale, quand on élève un enfant, notamment l'enfant d'un cousin, l'enfant d'une cousine, l'enfant de... on n'est pas à l'abri. L'enfant peut nous dire, tu n'es pas ma mère. C'est des choses qui se disent.
Maintenant, lorsqu'on me dit ça, quelle est la résonance que ça a sur moi? Qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi? Qu'est-ce que ça vient étouffer chez moi? Puisque dans un autre contexte, si j'avais des enfants et qu'un enfant me disait ça, ça me dérangerait. Tout à fait. Je serais perturbée par ça, parce que je vais me dire que mais c'est moi qui m'occupe de toi, c'est moi qui donc... C'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de, du parent, quand ça vient de l'enfant biologique. Voilà. Donc, est-ce que ça... quelle est la raison pour laquelle ça aurait une plus grande résonance chez une personne infertile? Oui. Si en l'absence ou en l'absence ou à la présence, donc quelle que soit la situation, pourquoi est-ce que ça aurait une plus grande résonance? C'est peut-être justement par rapport au fait que le fait même de savoir que l'on a des difficultés à procréer, ça relève d'un choc. Ça, c'est vraiment une question... C'est une question qui, de mon point de vue, convoque un peu les stratégies d'adaptation à la difficulté de procréation. Comment est-ce qu'on gère? Tout à fait. Comment on fait pour gérer? Oui. Peut-être que le premier travail que l'on fait, c'est pouvoir réévaluer les stratégies de gestion, les stratégies d'adaptation des uns. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Ça peut être nos pensées, ce que nous nous disons à nous-mêmes. Notre manière de voir les choses. Ce qui est vital pour nous. Ce qui fait que si on n'a pas ça, on n'existe pas. Et la manière de gérer va également convoquer ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Ça veut dire qu'il y a dans notre manière de traiter l'information au niveau du cerveau, il y a des fichiers corrompus, il y a des virus qui s'introduisent et qui font que on va se dire que pour nous, ça ne vaut pas la peine. Si je n'ai pas ceci, ça ne vaut pas la peine. Si je n'ai pas d'enfant, ça ne vaut pas la peine. Si je n'ai pas d'enfant, ça veut dire que je n'ai pas ma place en société. Si je n'ai pas un enfant qui est né de mes entrailles, ça veut dire que je ne suis pas une femme. Ça veut dire que je ne suis pas un homme. Donc notre manière de nous définir, d'apprécier, de nous lire, de voir, notre manière d'analyser les situations, là-dessus ça va être compliqué. Et donc, il s'agit véritablement de pouvoir repérer les processus mentaux, les processus cognitifs, la manière de traiter l'information, en repérant cette information pour les couples, pour les personnes, et identifier les probables virus. Tout à l'heure, je vous parlais d'une étude que nous avions menée. Et justement, dans le cadre de cette étude, nous avons recherché la place, l'importance que pouvaient avoir les facteurs environnementaux, familiaux, relationnels, les collègues, les amis. Et nous nous sommes rendus compte justement qu'il y avait un lien statistiquement significatif avec ce qu'on appelle les troubles anxieux. Et là également, par rapport à faire face, à la capacité à faire face. Là, il s'agit des ressources interpersonnelles. Comment est-ce que je suis, sur qui je peux m'appuyer? À qui je peux parler? Et quand je le fais, comment réagissent les autres? Et qu'est-ce que je fais de leur manière de réagir? Comment je l'interprète? Comment je le... Comment je me l'approprie? Et un autre élément, c'est quelle est la place de ce que pensent les autres dans ma vie? Si pour moi,
le point de vue des autres, si je me définis à travers ce que les autres pensent de moi, c'est un piège psychologique qui fait que ben, je vais un peu être pris en otage. Tout à fait. Par ce que pensent les autres de moi. Et je vais me mouvoir là-dedans au point où parfois je vais un peu devenir paranoïaque. Je vais être pris en otage. Je vais évoluer là-dedans et me sentir piégée.